Monsieur Belcourt, vous avez fait bon voyage? Oui. Bon, ça fait longtemps que vous n'êtes pas revenu? 35 ans, depuis que je suis parti, en fait. Laissez-moi vous présenter notre grand écrivain, Stéphane Belcourt. Bonsoir, enchanté. Bonsoir, monsieur. Votre nom? Andrieux, Lucas Andrieux. Ah, c'est amusant. J'ai connu un Thomas Andrieux au lycée. Il y en a pas eu 150, hein. C'était mon père, je pense. Vous le connaissez bien? Comme ça. Faudra le dire à personne. C'est dur de l'imaginer avec des potes. Allez, viens! La ferme, c'était boulot, boulot, tout le temps. Il était comment, mon père? Qu'est-ce que tu fous là? Je t'ai dit que ça devait rester entre nous. Tu te rends pas compte? Toi, tu vas te barrer, moi, je resterai. Je sais que si je reste, j'en crèverai, et toi aussi. La seule fois aussi illuminée, c'est quand vous passiez à la télé. C'était qui pour vous? Mais putain, pourquoi vous voulez pas me répondre? Tu me réserves encore d'autres surprises comme ça? Ton père m'a abandonné du jour au lendemain, comme pour toi, sans un mot, sans une explication. Qu'est-ce que tu viens de dire, là? Je suis très mal à l'aise, alors on se calme! Stéphane, tu as ta vie qui t'attend. Et je suis sûr que tu vas pas t'arrêter là. Qu'est-ce qui se passe, Lucas? Explique-moi. Tout va bien. Je te dirai plus tard. Tout ce qui m'a laissé, c'est des questions. Mais moi, je l'ai aimé comme un fou, ton père. Les géantes vont bientôt mettre leur plan en œuvre. Et je n'ai pas beaucoup de temps pour sauver la forêt. Personne n'effraie Clay, agent secret du Royaume du Soleil. Je suis Bro, agent secret du Royaume de la Lune. Je suis à de créer la plus puissante des énergies. Il n'y a que leur force réunie qui pourra arrêter les géants. Allez, viens, dépêche-toi. Oh, au Royaume du Soleil, on peut avoir tout ce qu'on veut. Personne ne peut tromper un ours du Royaume de la Lune. Ah, c'est vous, enfin. Dites-nous ce que vous savez sur les perlimes. Amis. Vous m'avez l'air de former une équipe de actuelle, c'est clairement plutôt économie, restriction, on enlève du personnel que avoir la nuit en hospice. Hein. Parfois, tu as une infirmière pour 20 malades. C'est va te frapper, ça. Ah, là, c'est formidable. Oui, j'avais un mécano quand j'étais petit. Alors, je restais au même niveau. Parce que là, t'as quand même une bonne idée de ce que t'as fait, mais c'est pas qui a coupé ça, mais c'est absolument immonde. Oui, j'en ai un petit problème dans l'optique. Quand tu bosses en réa, t'as un côté très carpe diem. Donc je vais quand même vérifier qu'il n'y a pas d'anomalie particulière, d'accord? Ne vous inquiétez pas. C'est une petite crevette. C'est une petite crevette toute belle. Ah, félicitations. Thank you.
Who looks paid for the tickets. Not bad, huh? She's an influencer. Not bad, not bad. Yeah. So what do you do? I sell shit. The success of a luxury cruise, it mainly depends on you. Enjoy the moment. It's always, yes, sir, yes, ma'am. No. What? Everyone's equal. Thomas, when you're able to hold the captain's dinner. A toast to love. Hello. I'm not a fan of fine dining. Darius, he doesn't look well. The ship is going under. Russian capitalist and an American communist. On a $250 million luxury yacht. Stay focused. We have to create a good group. Who am I? You're the toilet manager. No. Here. Captain.